Alex. Salut. Tu es propriétaire du CrossFit 6000. C'est bien ça. Aujourd'hui, tu as organisé une des plus grosses compétitions de Wallonie et presque de Belgique. Comment ça se passe? Mais donc voilà, on accueille 390 athlètes ce week-end, 390 le samedi, 390 le dimanche. Ils viennent pour certains de plusieurs pays d'Europe. Il y a vraiment du gros gros niveau et donc ce sont les Carolottes Rodorgues. GG Poker est partenaire de ta compétition. C'est ça, effectivement, pour ce genre d'événement d'envergure, bah, on a besoin de partenaires de qualité. Et donc je remercie vraiment GG Poker de nous avoir soutenus. Est-ce que tu joues toi-même un petit peu au poker? Ouais, je joue de temps en temps, je m'y suis mis là depuis que le site est sorti, sur des petits buy-in, et franchement, on prend vraiment du plaisir. Ouais, du coup, Alex, je te souhaite bonne chance pour ta compétition. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 32 ans et je suis coach à CrossFit 6000 et donc CrossFit 6000 organise cette compétition, les Carolottes Rodorgues. Donc une compétition vraiment de grande envergure ici à Charleroi, c'est la première fois qu'on a une compétition de cette envergure là ici chez nous. C'est aussi une des plus grandes compétitions en Belgique, en tout cas en Wallonie. Donc voilà, on est très fiers de pouvoir l'organiser, ça se passe super bien, il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup de monde qui est là, beaucoup de monde du CrossFit, des personnes aussi étrangères. Donc voilà, et tout se déroule super bien, donc on est vraiment très contents. J'ai déjà réalisé mon premier WOD ce matin avec mon binôme masculin, parce que c'est en team de deux. Ça s'est super bien passé, on a bien géré, on est vraiment contents de nous, donc c'est le principal, on verra les classements après. Et il nous en reste encore deux épreuves sur la journée, et puis on recommence pareil demain, et puis on verra au final. Voilà, on vise pas le podium, mais on essaie de faire le mieux qu'on peut, il y a vraiment du gros niveau, et voilà, c'est un super chouette week-end. Bonjour, je m'appelle Jérôme Casamento, j'ai 36 ans bientôt, je suis coach à CrossFit Nivelles, et je participe cette année à la première édition des Carolottes Rodorgues ici à Fleurus. On vient de faire les deux premiers WOD avec ma copine. L'idée ici pour moi, c'était vraiment d'être là en post-saison, de profiter un peu du moment. L'organisation est géniale, les organisateurs sont cool, c'est cadré, c'est vraiment top. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir sur cet événement, même si jusque-là on n'a fait que deux events, mais je suis sûr que les deux events qui arrivent vont être vraiment top. Salut à tous, Speaker Steven, donc pour les Carolottes Rodorgues, première édition 2022. Voilà, c'est un plaisir de me retrouver ici, comme sur la majorité des compétitions en général, que ce soit en Belgique, en France ou alors à travers l'Europe. Ici, une petite particularité, c'est que j'ai eu la chance de retrouver mon ami Damien Huppé qui sponsorise l'événement et qui est vraiment partenaire de cet événement à grande échelle. C'est-à-dire que tous les athlètes, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres compétitions, sont vraiment assurés individuellement et donc ils sont là au taquet. Il est là venu vérifier si tout se passait bien. Mon rôle ici est d'animer et de commenter cette compétition. Voilà, un peu comme le fait GG lorsqu'il le fait sur son événement, donc GG Poker, la plus grande plateforme de poker sur internet. Ici, au moment où je vous parle, il y a le head judge qui appelle tout son staff de manière à pouvoir faire un briefing pour reprendre la deuxième partie de cette édition des Carolottes Rodorgues. On va partir maintenant sur le workout numéro 2. Le ressenti des athlètes, c'est que ça se passe très très bien, ils sont dans le timing, donc bravo aux organisateurs de CrossFit 6000, j'ai nommé Alex Coniglio et tout son staff. Bravo à toi, bravo à tous les athlètes d'avoir répondu présent, ils viennent de toute la Belgique, j'en ai vu aussi qui venaient de France et j'en ai vu également qui venaient du Luxembourg. C'est un plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, donc à la prochaine pour la deuxième édition de ces Carolottes Rodorgues. Ciao.